Samedi 9 janvier 2020, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres de cette édition. La deuxième phase de la tournée de reddition de comptes du chef de l'État sur son cours. Hier, le président de la République était à Ndali, au menu des échanges, s'entretenir avec la population sur des sujets de développement de leur commune. Les détails dans un court instant. L'école primaire publique de Begamé Nord à Cotonou est transformée en un lieu de banditisme, voire de débauche. L'insécurité bat son plein aux alentours de l'école. La situation inquiète enseignants, apprenants et parents d'élèves. Canal 3 s'intéresse au sujet. À la découverte de quelques divinités de nos religions endogènes en prélude à la célébration de la fête du Vaudou, nous vous faisons découvrir dans ce journal les Vaudous Sapata et Kenessi. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. Direction Ndali pour commencer. Eh bien, le président Patrice Talon s'y est rendu hier. C'est dans le cadre de la deuxième phase de la tournée de reddition de comptes initiée par le chef de l'État. Les échanges entre le président de la République et la population de Ndali portent sur divers sujets de développement de la commune. Je vous invite à suivre respectivement le maire de la région et le président de la République. Assurer le repos village lourd des voies urbaines à défaut d'un programme d'asphaltage, réhabiliter les axes routiers Ndali-Niki, Ndali-Jougou et désenclaver les localités éloignées du centre-ville par des ouvertures de voies et la réalisation des ouvrages de franchissement. Réhabiliter le tronçon Tamaru-Wenu long de 9 km, prévoir la construction d'un stade de Ndali dans les toutes prochaines programmations. Promouvoir le tourisme et l'économie locale à travers la réhabilitation des palais royaux de la commune et la protection de la mare à caïman de Bonakéry. Construire et équiper les 5 commissariats d'arrondissement de la commune afin de réguler l'insécurité et de garantir la quiétude des populations. Mettre en service les réseaux électriques de Bori et de Begourou dont les installations sont déjà achevées. Densifier le réseau énergétique de la commune en vue de satisfaire les besoins croissants de nos ménages. Même si tout cela continue de nous manquer, que nous avons le courage de regarder le Bénin entier pour voir si ce qu'on n'a pas pu faire depuis 60 ans, le rythme qu'on n'a pas pu obtenir depuis 60 ans, la quantité de travail qu'on n'a pas pu faire par année ou par quinquennat depuis 60 ans, est-ce que depuis ce pari que nous avons pris ensemble, est-ce que depuis ce moment-là, le rythme, la vitesse, l'ampleur, c'est-à-dire la quantité et la qualité avec laquelle nous faisons ces choses-là dans tous ces domaines constitue une révolution? Nous avons acquis des choses en liberté et la démocratie. C'est très bien, on a acquis. Parce qu'on s'est battu pour. Si on se bat pour la bonne gouvernance et pour le bien-être matériel, on va l'obtenir. Et on l'a prouvé déjà. Si nous nous battons avec autant d'ardeur pour préserver la bonne gouvernance, comme on le fait pour nos libertés, nous allons avoir la bonne gouvernance et nous aurons le développement économique. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé hier vendredi au lancement officiel de l'examen national de licence. Après 3 années d'expérimentation, l'examen national de licence est à la première édition de sa phase de pérennisation. C'était au Collège d'enseignement général, les Pylônes à Cotonou. Retour sur le lancement de l'examen à travers ce reportage signé Ali Moumouni et Rachidi Soubéro. Les épreuves écrites de l'examen national de licence de l'année académique 2019-2020 ont démarré à 8h30 ce vendredi 8 janvier 2021 au CEG Les Pylônes. C'est ici et précisément dans la salle A2 de la filière géomètre-topographe que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé au lancement officiel. Éléonore Yahi Ladekan, après la distribution des copies, a fait le tour des salles de composition où elle a formulé ses vœux de la nouvelle année aux candidats et les encourager. Le message que nous avons délivré, c'est de les appeler à une bonne composition et à prendre de leur part donc de contribution dans l'œuvre de développement de notre pays.
Vous savez que ces filières sont en général très professionnelles et l'option du gouvernement, c'est justement de pouvoir accompagner tous les efforts qui se font, aussi bien dans le public que dans le privé, pour aller à une orientation métier. Faire en sorte que nos apprenants, dès qu'ils finissent, qu'ils puissent vraiment attraper quelque chose à faire qui soit utile pour le développement. Ces épreuves écrites démarrent à la suite des phases pratiques composées depuis lundi dernier. Ils sont au total 554 candidats de 7 filières différentes, réparties dans 30 salles de composition dans ce centre du Collège d'enseignement général Les Pylônes. Tout se passe normalement et je crois que tout le monde est là, tous les candidats sont en train de composer actuellement. Et tout se passe normalement dans les règles de l'art. Pour les examens nationaux de licence et de master, édition 2020, les compositions se feront sur au total 57 filières. Nous avons au total 5 275 inscrits, dont 2789 filles et 2486 garçons. L'examen national de licence, session de janvier 2021, est la première édition de la phase de pérennisation après 3 années d'expérimentation. Il est l'aboutissement d'une longue préparation effectuée avec les acteurs du secteur privé de l'enseignement supérieur. L'organisation des examens est irréprochable. Il y a un savoir-faire ancien qui est à l'œuvre et dans tout le tour qu'on a eu à faire, on a remarqué ça. En fait, l'enjeu, c'est que notre travail donne lieu à des diplômes qui ne sont pas facilement discutables. On parle aujourd'hui de l'avenir de la jeunesse et par rapport à cet avenir, il faut un ensemble de mécanismes. Et au nombre des mécanismes trouvés, ingénieusement par le Bénin, c'est les examens nationaux qui viennent d'être pérennisés suite à des discussions et suite à un certain nombre de situations mises en place pour cadrer avec les besoins. Pour cette phase écrite, les candidats composent en tronc commun avant de terminer par l'épreuve des spécialités. Vous le savez peut-être, il n'est désormais plus possible de fumer la chicha dans les lieux publics du département du Zou. C'est une décision du préfet en date du 5 janvier dernier. Les promoteurs des bars, restaurants, boîtes de nuit et les débits de boissons sont priés de faire respecter cette décision au risque de voir leur espace de détente fermé par les forces de sécurité. L'autorité préfectorale entend ainsi réglementer la vie en communauté, l'harmonie et le respect des libertés individuelles. Suivez ces quelques informations du préfet. Il est au micro de Imet Elena Moussou. Critiquée par certains et appréciée par les autres, la nouvelle est portée au public en ce début de semaine. Un arrêté préfectoral interdit désormais la consommation de la chicha dans les lieux publics dans le département du Zou. La décision intervient suite à des plaintes enregistrées par l'autorité. Ce que moi j'ai fait ne vise qu'à protéger ceux qui ne consomment pas de la chicha et qui sont contraints de rester dans le même milieu que ceux qui ont envie de consommer de la chicha, pour que la liberté individuelle des uns et des autres soit protégée. C'est vraiment une bonne décision que moi j'ai beaucoup appréciée. Il le faut. Ce que les jeunes sont en train de causer avec ce truc-là maintenant, vraiment, il faut que le gouvernement lutte contre ça. C'est très important. On dit que le truc n'est pas bon pour l'organisme. Maintenant, pourquoi on va accepter pour que les jeunes prennent ça? Donc, il faut qu'on interdise ça. En date du lundi 4 janvier 2021, la décision a pris effet dès le lendemain. Promoteurs de bars, restaurants, maquis, débits de boissons et autres sont appelés à prendre les dispositions pour le respect des instructions données par le préfet. Le directeur départemental de la police républicaine, quant à lui, est invité à tout mettre en œuvre pour les obliger à se conformer à la réglementation. Malgré l'incidence financière, gérants et promoteurs des grands lieux de rassemblement et de détente mesurent la portée de la décision. Ici, ce n'était pas si courant que ça, vu que nous sommes dans un bar qui est VIP climatisé. Donc du coup, nous n'autorisons pas trop les gens à fumer la chicha dedans. Peut-être aux heures où il n'y a pas du monde, mais quand il ne commence pas à avoir du monde, nous on interdit ça. C'est vrai que le chiffre d'affaires de la chicha est sorti de mon chiffre d'affaires journalier, mais bon,
On ne peut qu'accepter ça, on n'a pas le choix. La consommation du chicha constitue vraiment un fléau pour la jeunesse dans son ensemble. Souvent, les jeunes qui sont délaissés, c'est eux qui s'adonnent vraiment à ce genre de trucs. Et se retrouvent vraiment, si je sais pas, ils deviennent des délinquants. Et souvent aussi, ça crée vraiment des problèmes dans la société. Et toutes ces dispositions que j'ai prises en début d'année, c'est pour dire aux gens que la pagaille, ça a des limites. L'exercice du droit de liberté individuelle que nous avons doit pouvoir prendre en compte la liberté individuelle des autres. Parce que nous ne sommes pas seuls dans la société. Nous sommes ensemble et nous devons tenir compte de ce qui est bien pour chacun et pour tout le monde. Ils doivent faire en sorte que la vie en communauté soit vraiment sereine, que la vie en communauté puisse être vivable pour les uns et les autres, nonobstant le fait que nous avons des envies différentes. Désormais, il n'est donc plus possible de fumer la chicha dans les lieux publics dans le zoo. Le narguilé ou la chicha se compose de plusieurs parties. Il en existe sous diverses formes. C'est une pipe à eau utilisée pour fumer du tabac sous forme de tabamel, un mélange comportant de la mélasse additionnée d'arômes qui se consume avec du charbon. La fumée inhalée expose potentiellement les fumeurs aux effets du tabac sur la santé. Retour à Cotonou à présent, et vous allez le voir, nous vous présentons dans le reportage qui va suivre un constat assez désolant, à la limite inadmissible. Vous allez apprécier de vous-même. L'école primaire publique de Bégamé Nord à Cotonou est transformée en un lieu de banditisme et même de débauche. C'est l'insécurité totale qui s'observe aux alentours de ce lieu du savoir, une situation qui met en danger écoliers et enseignants. Une équipe de Canal 3 en collaboration avec l'association Avec Nous a mené sa petite enquête. Je vous invite à apprécier cette production signée Tanguy Agoy. Ils l'ont transformé en un lieu de débauche. Il s'agit de l'école primaire publique de Bégamé, située non loin du quartier Zongo. Censé être un lieu de savoir et d'éducation pour nos jeunes apprenants, cet endroit est devenu un lieu de banditisme, de délinquance et de débauche. Il y a des prostituées qui traînent là le soir. Les prostituées qui traînent là le soir et qui créent de la saleté dans l'école pendant la nuit. Et les enfants viennent le lendemain, puis prennent les préservatifs qui sont jetés dans l'école et commencent à s'amuser avec. Les gens viennent faire du n'importe quoi, des braquages, et ils prennent par l'école, par le mur et s'échapper. Mais là, nous, on en a marre. De l'autre côté, il y a le terrain qui sont collés avec l'école primaire. Donc, il se trouve qu'il y a des délinquants qui traînent là, des délinquants qui traînent et qui font de n'importe quoi. Il n'y a pas de sécurité. Donc, ils profitent de cette occasion pour venir faire du désordre, arracher des portables, même prendre des motos dans la ruelle là. Et après, c'est pour mettre le nom des jeunes du quartier à la tête. Le constat est très répétitif et remet en cause la quiétude des parents d'élèves. Cigarettes, préservatifs, des sachets de déchets, voilà les objets que l'on retrouve sur la cour et aux alentours de l'école chaque jour. À cela s'ajoute l'insécurité totale tout au long de la clôture de l'école, les soirs après une certaine heure. Dans la nuit, notre quartier fait du genre l'objet d'une insécurité totale. Nous avons nos enfants qui y vont. Maintenant, on constate que les matins ou bien dans la journée, quand on va chercher nos enfants ou bien quand on va pour un problème donné, on voit qu'il y a de la cigarette un peu par les mingots de cigarettes dans la maison et des préservatifs un peu partis. Bon, ça ne nous arrange pas en tant que parents. En dehors de braquer des personnes, violer même des jeunes filles par rapport, quelquefois dans l'école primaire que nous voyons là, c'est quelque chose qui est devenu un tabou en fait. Ça n'a jamais changé. Quand tu vas voir quelqu'un pour lui en parler, il te dit non, laisse le temps, on va voir. Comment ça... C'est toujours les mêmes choses. C'est parce qu'il y a une insécurité totale dans le quartier. Il faudrait que les autorités pensent à cela. Le mur de l'école qui est situé entre le terrain et l'école est quelque chose qui est là depuis plus de 20 ans, cassé, qui n'a jamais été réparé en fait. Quand quelqu'un part, il braque quelqu'un, c'est un repère pour lui. Après 18 heures, les classes sont fermées. Et quand quelqu'un crée des désordres, c'est là, c'est le repère en fait. Les gens se retrouvent là, se concertent là, font leur crime. Je ne peux pas dire que l'État ne voit pas parce qu'il y a des agents de l'État qui sont là, qui voient tout, mais qui ne réagissent jamais. J'ai été victime d'une attaque. J'étais allé chercher mon enfant après 17 heures à l'école là, avec mes deux téléphones, que des bandits qui résidaient dans l'école m'ont attaqué.
Donc ils ont pris mon téléphone. Du coup, je suis allé au commissariat, voilà ma convocation. Mais la police n'a jamais mis la main sur celui qui m'a attaqué. Et voilà, tout ce que moi je tiens à dire aux autorités, c'est que de penser à la répression du mur de l'école. Les prostituées prennent des clients pour y rentrer dans l'école, faire ce qu'ils ont envie de faire. Personne ne réagit. Et quand on parle des prostituées qui sont là, on ne peut pas leur empêcher de rester là. Mais l'État peut faire quelque chose pour leur empêcher de s'approcher de l'école, en fait. Les démarches menées pour changer cette situation sont restées pour le moment vaines. Une forte alerte aux autorités à divers niveaux, afin de sécuriser ce lieu de savoir et surtout penser à réfectionner l'entourage de l'école, monter le mur afin d'éviter que les principaux acteurs de ces actes n'y siègent. Tout autre chose à présent et toujours dans l'actualité nationale, remise de chèques de dédommagement à la deuxième vague de propriétaires terriens affectés par le projet de construction de la zone économique spéciale. La cérémonie a eu lieu jeudi dans l'arrondissement de Tangbou-Djévié dans la commune de Zé. Retour sur les temps forts de la cérémonie dans ce reportage de Ulrich Gaba et Elvis Tonkoin. La présente cérémonie qui se veut dénuée de tout protocole est pourtant fort symbolique pour tous les acteurs ici présents. Les propriétaires terriens expropriés dans le cadre du projet de construction de la zone économique spéciale reçoivent leur chèque de dédommagement. Ils sont tous fiers de faire ce sacrifice pour la patrie. C'est douloureux, mais quand même, c'est une cause commune. Parce que nous devons, ce qu'on veut faire, c'est, on a dit, zone économique spéciale. Nous avons nos enfants qui sont sortis de l'université et qui ont des diplômes dans les bras et qui tous les jours viennent prendre les frais de déjeuner chez nous encore. Maintenant, avec cette zone qu'on veut créer, ça pourrait nous décharger un peu pour que ces jeunes puissent trouver quelque chose à faire. Tout en rassurant de la bonne foi du gouvernement, la commission interministérielle chargée de l'expropriation exhorte les propriétaires terriens restants à vite faire les formalités pour percevoir leur chèque de dédommagement à temps. Il s'agit de remettre les chèques à une seconde vague de personnes qui se sont acquittées convenablement des formalités d'usage. C'est le lieu de saluer votre esprit hautement patriotique qui s'est traduit par votre mobilisation massive pour la réussite de cet événement. Alors je voudrais dire que le gouvernement a déjà mis en place l'intégralité des ressources nécessaires pour dédommager les PAP qui se trouvent sur l'ensemble des 400 hectares. Donc, je voudrais demander à ceux qui en doutent encore de faire diligence pour venir signer leur PV, pour venir finaliser leur dossier, pour pouvoir rentrer en possession de leurs indemnités. Les autorités rappellent que les travaux de la zone économique spéciale démarrent dans la semaine du 11 janvier 2021. Il sera donc procédé dans un délai immédiat à la libération de l'espace concerné et à la remise du site à l'opérateur déjà identifié pour conduire les travaux. Depuis quelques jours, la commune d'Abomey-Calavi abrite la deuxième édition du jeu concours La Reine du Palenque, une initiative de Malik Dovonon, un amoureux de la culture béninoise. Il s'agit en effet d'une compétition entre femmes artistes en herbe en vue de déceler les plus talentueuses. Les explications du promoteur du concours, il est au micro de Teddy Goudalo et Elvis Tonoukouin pour Canal 3 Bénin. Il s'agit d'une élection de filles chanteuses confirmées chaque année, une fille dans le domaine de la musique féminine au Bénin. L'année dernière, nous avons eu notre artiste connu de tous, Jean Dagbenon, qui était le président du jury, et la diva Asikiwa, qui était assesseur, et Nana Timpa de Septentrion. C'est les trois qui ont été jurés de l'année passée. On les a reconduits cette année pour gérer et ce concours. Nous avons fait la première journée le 26 passé, le 26 décembre. On a fait la première journée, et ça dit le huitième de finale. Le quart de finale, c'est pour samedi prochain, et le 9 janvier 2021. La demi-finale, c'est pour le 23 janvier 2021. Et la finale, c'est le 20 février 2021.
la Sobebra nous accompagne actuellement et a vu un de ses distributeurs agréés, en l'occurrence HEJ Distribution, qui nous a acheté la moto actuellement que nous avons misée pour la Gaillante. L'objectif principal, c'est que courant l'année de la reine du Palenque élue, l'orchestre maison Palenque Band l'accompagne durant toute l'année, c'est-à-dire une manière à ce qu'elle fasse l'apprentissage de la scène. Et à la fin, déjà en septembre, la maison Palenque, le bar Palenque, l'amène dans un studio et que son single sera produit et gardé jusqu'au moment où nous allons organiser l'édition suivante et que c'est le jour de finale de l'édition suivante qu'elle passe la couronne à la nouvelle reine. Et en même temps, c'est ce jour on fait le lancement de son single pour le confirmer, artiste musicienne béninoise. Le Palenque Bar est situé à Godomé, le quartier Sédégbé, et dans la rue de la pharmacie PK14, tout droit après les rails. Le concours élection de la reine du Palenque se déroule dans l'enceinte du bar, sur l'esplanade qui est en face du bar. Demain 10 janvier, c'est la fête des religions endogènes. En prélude à cette célébration, notre rédaction vous amène à la découverte d'une série de divinités. Connaissez-vous par exemple le Vodun Sakpata? Il s'agit d'une divinité que l'on identifie souvent à la terre au regard de ses manifestations. Les origines de la divinité Sakpata, ses vertus, ses interdits, bref, ses caractéristiques sont à suivre dans ce sujet portrait réalisé par Narcisse Alossé et Eder Mpevi. L'invocation est faite ici à Sakpata, l'une des divinités que renferme le patrimoine vaudon. Une divinité qui, selon les initiés, incarne la terre et dispose de plusieurs clans. La terre n'est pas la même partout. Il y a des endroits que nous avons des terres sablonneuses, il y a des endroits que nous avons des terres humileuses, il y a des endroits que nous avons des terres argileuses. Donc, les Sakpata sont nombreux. Dans le rang des Sakpata, il y a les Sakpata masculins, il y a les Sakpata féminins. Les origines de Sakpata, c'est d'Assazoumé, dans le centre du Bénin, Dahomé d'alors, d'où les rois l'ont découverte. Aujourd'hui, elle est considérée comme la mère de toutes les divinités. Toutes les divinités sont installées sur Sakpata. Donc c'est Sakpata qui les accepte, c'est Sakpata qui les accueille. Donc c'est lui qui doit commander. Donc si tu offenses déjà Sakpata, c'est que tu as offensé toutes les autres divinités déjà. Malgré son double caractère masculin et féminin, cette divinité n'est recommandée que pour les hommes en termes d'initiés. Mais au cours de notre randonnée, notre source d'information nous a amenés chez cette dame, Laetitia Viviane Ametonou, dite David Ponsi, prêtresse du culte vaudon, l'une des rares femmes à avoir la divinité Sakpata. J'ai investi pour faire venir cette divinité ici chez moi, mais à certaines étapes des rituels, je sors du couvent. Elle vénère donc le dieu de la terre sans pouvoir le regarder. Et en s'aventurant sur un terrain destiné uniquement aux hommes, elle dit être en quête du salut que donne cette divinité. C'est à cause de ce que fait Vodun Sakpata que je l'ai fait venir chez moi ici. Il donne la santé, la prospérité et je m'épanouis en sa compagnie. Pour les initiés, il y a beaucoup d'interdits et de totems. Et nos interlocuteurs nous en ont cité quelques-uns. Une divinité qui n'aime pas que qui n'aime pas tout ce qui est les choses là. Méticolore, c'est pourquoi il est beaucoup interdit à tous les adeptes de Sakpata de manger de la viande du pentade. La viande de l'antilope que nous appelons en Gbanlin, c'est interdit. Et l'écureuil à Wasabi, c'est aussi interdit. Il est interdit à tous les adeptes, ou bien à tous ceux qui adorent Sakpata, de balayer la nuit. Derrière le respect de ces règles, les vertus de Sakpata. Et ce prêtre, la quarantaine révolue, polygame visiblement heureux, y va avec anecdote. Trois de mes femmes sont enceintes et
je vais faire les cérémonies jusqu'à tuer des bœufs. J'ai dit à la divinité, mais voilà que mes femmes sont enceintes. Les gens disent souvent, quand on a fait des cérémonies pour tuer des bœufs, et que les femmes sont enceintes, là, la sorcellerie touche les femmes. Moi, je remets tout dans tes mains. Mais le 4 octobre, deux de mes femmes ont accouché le même jour. Une semaine après, le 11 octobre, la troisième femme a accouché. Et les trois enfants sont là avant le 24 octobre où les cérémonies ont eu lieu. Depuis que je l'ai avec moi, j'ai la paix du cœur. Je n'ai jamais connu de malheur. Ma famille et moi, nous vivons heureux. Jusqu'à mes petits-fils. Franchement, c'est une grande richesse. La divinité Sakpata symbolise ainsi toute une richesse pour tous ceux qui la vénèrent, de son nom le plus usuel, Sakpata Dokuno. Pour ceux qui souffrent de ces manifestations, des rituels se font pour les délivrer, nous a-t-on confié au cours de notre tournage. À l'instar du Vodun Sakpata, le Kenesi est l'une des divinités qui constituent les richesses culturelles et cultuelles du Bénin. Pour en savoir davantage sur ses caractéristiques et ses atouts, nous nous sommes rapprochés de Rounon Dansou Alphonse, garant des us et coutumes. Suivez, c'est un élément de Asiangbon Kanye, Asiangbon et Moufid Sagoa. À Kansoumpa, dans la commune d'Aboumekalavi, Dansou Alphonse Gazozo est garant des us et coutumes de la tribu des Folies Bobo. Sa spécialité en matière de divinité, c'est le vaudou Kenesi. C'est une divinité qui est née sous le matriarcat, le régime matriarcal. Le régime matriarcal, c'est la femme qui est la cheptelle de son territoire. De compétences. Alors, c'est elle qui patronnait, qui détenait les chasses spirituelles des vaudous. Et c'est elle qui a découvert le vaudou Kenesi, la femme, pour protéger et garder son royaume, son territoire, parce qu'elle est reine. Son origine serait égyptienne, on croit le garant des us et coutumes de la tribu des Folies Bobo. Elle s'étendrait à une grande partie du continent. Le vaudou Kenesi est de l'Égypte antique. L'Égypte antique de la Nubie, ça couvre les régions de Grand Lac, en passant par aujourd'hui le Bénin, sur ce territoire, le Mali, jusqu'en Afrique du Sud. Comme la plupart des divinités du Bénin, le vaudou Kenesi est bienfaisant. Et au-delà de tout ce côté bienveillant, la divinité est à la base de plusieurs connaissances. C'est un vaudou qui fait du bien, des merveilles. Même ça permet de savoir ce qui se passe dans l'espace, dans le vide universel. Ceux qui détiennent la charge de vaudou Kenesi en savent quelque chose. Ça permet de faire des découvertes. Celui qui détient la charge de vaudou Kenesi peut agir sur des kilomètres, des milliers de kilomètres pour changer la vie de quelqu'un qui est dans la détresse à une vie positive. C'est avec Kenesi. Le vaudou Kenesi, selon les dignitaires, aide les couples dans la procréation. Il protégerait aussi celui qui a recours à lui et débloquerait des situations difficiles. Dansou Alphonse Gazozo assure que le vaudou Kenesi peut aider les hommes à vivre en harmonie. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre attention. Vous souhaite une belle fête des religions endogènes célébrée demain 10 janvier. Passez de très bons moments en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.